Des t-shirts colorés ou à paillettes, des vestes chics, 100% lin. Dans cette boutique, cette matière est parmi les préférées des clientes. Quand on pense au lin, on pense à une matière un peu rustique. Donc il fallait arriver à lui donner un très beau toucher, à le rendre un petit peu plus sexy, un peu plus sensuel. Ici, le lin est conçu pour être doux et confortable. Et il a une autre particularité. Et les couleurs prennent très bien sur le lin. Quand vous, je sais pas, vous prenez un bleu, si je le fais sur un coton, ça va pas faire la même chose. Je trouve que le lin sublime les couleurs. Mais savez-vous comment on fabrique le lin? Tout commence ici. Chaque été, dans le nord de la France, les champs se recouvrent d'une fleur bleue délicate. Lorsqu'elle arrive à maturité, la plante est arrachée par ses machines. Puis elle est gardée quelques semaines sur le sol. Grâce à l'humidité, elle va doucement se décomposer. On appelle cela le rouissage. Ensuite, direction l'atelier de teillage. Ces machines extraient la fibre, la partie noble du lin. Hubert Brissac cultive 15 hectares de cette plante dans le Pas-de-Calais. Ici, une poignée de fibres longues, taillées, qui va pouvoir être, donc qui est complètement débarrassée de toutes les parties cellulosiques, de toute ce qu'on appelle la paille, nous. Ça part chez nos clients, les peigneurs et filateurs, qui vont ensuite faire le fil de lin. Avant de se transformer en vêtements, en draps ou en rideaux, le lin, une fois filé, va être tissé ici, à quelques kilomètres des champs. Les fils vont d'abord être assemblés en grosses bobines et renforcés par de la colle spéciale. C'est très important cette étape parce que nous allons ourdir des chaînes et ensuite les encoller pour donner de la résistance aux fils qui vont subir des tractions au métier à tisser. Donc c'est une étape très importante avant le tissage. Après plusieurs étapes, le lin est tissé par l'une de ces 28 machines qui peuvent contenir des milliers d'aiguilles chacune. Il faut des dizaines d'heures pour produire quelques mètres de tissu en fonction de l'épaisseur de celui-ci. Et voici le rendu final, de grosses bobines qui seront contrôlées centimètre par centimètre. Le tout est made in France, un combat pour le propriétaire de l'usine. Si nous voulons maintenir notre production made in France, il s'agit de faire des produits innovants, des produits différents que tout à chacun à travers le monde ne peut pas copier ou ne peut pas faire pour nous concurrencer à des prix sur lesquels nous serons forcément moins compétitifs. Le mètre carré de lin se vend ici entre 6 et 60 euros en fonction de différents critères comme la couleur, la densité ou la souplesse. En plus, ce tissu a de nombreux avantages. C'est mon petit mot, j'ai tendance à dire, c'est l'orgasme écologique, à savoir qu'il a toutes les vertus. C'est un produit qui n'abîme pas les sols, qui consomme peu d'eau, qui a énormément de caractéristiques positives. Il est thermorégulateur, donc préserve du chaud l'été, préserve du froid l'hiver. Et il est 100% recyclable. Ça, c'est quelque chose d'assez si exceptionnel, puisqu'au-delà du fait de ne pas abîmer, c'est qu'il peut être utilisé, réutilisé, recyclé en permanence. Donc c'est vraiment la plante écologique par excellence. Dernier avantage, le lin est facile d'entretien. Il se passe à la machine à laver à de hautes températures et ne demande qu'un peu de repassage.